C'est dur de savoir d'où elle vient. On passe son temps à la chercher alors qu'elle semble se montrer seulement quand elle l'a décidé. On peut pas non plus rester là sans rien faire en espérant la voir venir. Alors on s'active, on cherche, sans réellement savoir quoi. Cette micro-impulsion qui contient tout le reste. Le reste que l'on ne connaît pas encore. Et c'est pas nécessairement évident de chercher quelque chose sans savoir réellement ce que c'est. C'est sûrement ça la beauté de la chose d'ailleurs. Ce côté mystique. Parce que finalement, il existe un moment très furtif qu'il faut savoir saisir et qui va délivrer cette impulsion. Sans qu'on en ait réellement conscience, elle est là, ça y est. L'inspiration.